arrive de, on se gagnait là, j'ai fait une expédition de 1000 km, j'étais allé à Tuapsca pour supporter le, la communauté là-bas puis le chef Terry Stumps, la grève, celle qui a fait la grève de la faim. Fait que là, j'arrive puis je suis en train de monter mes affaires. Je l'ai fait parce que ça m'a touché. Qu'est-ce que j'avais entendu de Tuapsca. Ça fait quand même à peu près 3 ans que je suis le village sur Internet, sur Google, puis sur YouTube. Puis j'avais vu leur école, j'avais vu des reportages aussi que les maisons faisaient vraiment dur là-bas. Mon père, je voyais aller sur son territoire de chasse, il est toujours parti avec ses chiens, son traîneau. Il partait dans le mois de décembre, après ça il revenait 2-3 jours avant Noël, après ça il repartait, puis il revenait le printemps. Le plus c'est le grand froid, puis qu'il y a pas beaucoup de pas grand monde qui circule dans ce coin là. Puis il y a aussi les ours polaires qui peuvent attaquer aussi. Surtout que je partais en solitaire, je me suis dit il faut que j'aille les supporter. Pareil, ils ont besoin de support, cette communauté là. Je suis parti de la communauté crie de Wasgeigenish. Pendant mon voyage, on m'a aidé pas mal. Ils ont envoyé 4 skidos en avant de moi, puis ça a ouvert ma traîne. Boss Factory! Mor albani amaten zidana zan. Ma ongi den dugu txuke horapkaten din jama. Tomas. Dugu etxu da. Zala gazin gize uraz kusinean azuar. Ta da arumen ebe mutan de. Ta gizar arumen. Tam murugogun ugoa de plas. Sau da mi rog care v-ați creat de mocre, ca nu știu să auzim ce ani gândesc. J'ai rencontré une meute de loups sur la glace qui courait vers moi, à peu près 9 loups. J'ai sorti mon fusil, j'ai tiré à l'air pour les stopper là. La peur, c'est mon ami, mais je voudrais pas que ça devienne mon ennemi aussi. Tuapsca, quand je suis arrivé, avec le facteur humidité, il faisait pas loin de moins 47 degrés. J'ai été très bien accueilli. Ils sont très ouverts quand ils ont de la visite, puis ils aiment ça avoir du monde de d'autres nations. Il y a eu une soirée pour des anciens profs qui se faisaient honorer, puis on m'a dit tu devrais venir, ça va être une belle soirée pour toi, ça va être ta soirée à toi aussi. Puis sûrement qu'ils vont vouloir que tu ailles faire les classes. Quand j'ai rencontré Teresa Spence, c'est 2 jours après que je suis arrivé. Et il m'a dit j'aimerais ça que tu viennes me visiter demain matin chez moi. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'étais bien content de l'avoir, puis de mon côté aussi, j'avais beaucoup de choses à dire. Ce que j'ai aimé avec le mouvement Idle No More, c'est parce que c'était des actions pacifiques. Puis je me suis toujours impliqué dans des manifestations, même dans des manifestations armées. J'ai été jusqu'à 2 fois dans des barricades. Une fois à Manouane en 1995.
On a bloqué des routes, puis c'était pour contre la déforestation. L'autre moment, c'est en 98 à Restigouche. Je suis allé là-bas supporter la nation Mi'kmaq. J'allais pas là avec la colère, mais j'allais là pour jouer mon rôle en tant que guerrier. C'est plus des actions pacifiques qui vont réunir toutes les nations du Canada, entre blancs et autochtones.